Bonjour, mon nom est Gisèle Lefebvre, je suis technicienne de laboratoire dans un centre de pathologie animale. En quoi ça consiste? Bien, tout simplement à exécuter les analyses qui sont commandées par les professionnels. Et dans le cas du laboratoire où je travaille, les professionnels, ce sont des vétérinaires spécialistes en pathologie vétérinaire. Lorsqu'un animal arrive, on va procéder à l'euthanasie de l'animal. L'euthanasie se fait en donnant un tranquillisant qui va permettre d'apaiser l'animal et par la suite procéder à l'euthanasie directement, soit par injection d'un produit qui va faire que son cœur va arrêter ou par un choc électrique. Et à ce moment-là, c'est de l'électricité qui est passée, un choc électrique au 110 qui permet de permettre l'arrêt cardiaque et c'est sans douleur, l'animal perd connaissance immédiatement. Par la suite, l'animal va être saigné et mis sur une table et ouvert selon une technique qui est très, très connue et reconnue dans le domaine. Tous les organes vont être mis à la disposition du vétérinaire pathologiste qui va venir faire ses prélèvements. À partir du moment où il a recueilli du foie, par exemple, ou des portions d'intestin, des choses comme ça, là, le rôle du technicien, ça va être de traiter ces échantillons-là en fonction de sa demande. Et par la suite, vous avez également la disposition. Il faut disposer de la carcasse animale. C'est envoyé à l'incinération. Et également, il faut nettoyer et désinfecter les lieux parce qu'évidemment, si vous avez deux cas de porc, par exemple, un par derrière l'autre, et que vous mêlez les diagnostics, ce n'est pas très aidant pour personne. Selon la bactérie que le vétérinaire recherche ou pense qui peut être pertinente au cas, à ce moment-là, on va faire, selon nos protocoles d'ensemencement, ensemencer des géloses, mais il y a différentes natures. Il y a peut-être une trentaine de sortes de géloses différentes selon ce qu'on pense que ça pourrait être. C'est tout simplement une espèce de petit bac en plastique qui contient une gélatine dans laquelle il y a du sang. Et ça va permettre la croissance des bactéries et on va pouvoir, en identifiant cette bactérie, informer le vétérinaire quelle est la bactérie qui rend la vache malade et quel est le traitement le plus approprié pour la soigner. Je dirais que ce n'est pas toujours facile. Des fois, il y a certaines espèces. Si vous prenez, par exemple, des petits lapins, des chinchillas, des petits agneaux, ça pleure comme un bébé naissant des fois. Ça, j'avoue que même avec les années, des fois, ça vient encore, on sent le cœur battre un petit peu encore. Mais c'est sûr qu'il faut se concentrer sur sa tâche et la raison pourquoi on le fait. Alors, à ce moment-là, on y arrive et ça va bien. C'est toujours axé vers le citoyen en premier lieu. C'est un travail qui est un petit peu, méconnu. Les gens ne savent pas, disent « Oh, les fonctionnaires! » Bon, on connaît toute la série de commentaires sur les fonctionnaires. Ils ne se rendent pas compte jusqu'à quel point ils reçoivent des services pour lesquels ils ne connaissent même pas l'existence. Et quand je dis, vous arrivez avec un animal puis qu'on réussit à sortir un diagnostic qui permet à ce producteur-là de reprendre pied à son entreprise et tout ça, et qu'il vous arrive et qu'il vous dit « Je suis content, au moins vous avez trouvé. » Ça, je peux vous dire que ça fait plaisir. Vraiment plaisir. On ne travaille pas pour rien.